Méthode pour mesurer un volume de liquide. Pour mesurer un volume de liquide, on utilise une éprouvette graduée. Dans un premier temps, il faut déterminer la valeur d'une division. Cette méthode pour déterminer la valeur d'une division est décrite dans le QCM. Posez l'éprouvette sur une surface plane. Ajoutez le liquide à l'aide du flacon compte-gouttes et laissez reposer. Placez l'œil au bas du ménisque. Le ménisque est la forme incurvée qui se trouve à la surface du liquide. Donc placez l'œil au bas du ménisque. Si l'œil est placé au-dessus ou en dessous du ménisque, la lecture du volume sera faussée. Enfin, lire le volume.